Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Mad Max. Donc chers amis, vous vous rappelez peut-être de cette petite image-ci. Je vais essayer de la retrouver, je suis désolé, hop. Me trompe jeu, non la voilà. Cette petite image-ci. Apparemment dans cet endroit, il y aurait des pneus, les pneus lisses en fait, que nous pourrons trouver pour la voiture. Ceci. Après une petite recherche, donc ces pneus-là, j'ai pu trouver plus ou moins où est-ce qu'ils étaient. Ils sont apparemment, donc je dirais très exactement, ici. Hop, je vais y arriver. Donc on va stepper juste là. Et on va aller les chercher, ces pneus. Bordel de merde. Je les veux, mes pneus. Hop. On va voir si... Attendez, on va voir s'il réagit. Non, il a rien dit. Tant mieux, je préfère ça. Qu'il se taise, cet homme. Salut les mecs! D'accord, ils avaient un sniper, ça m'a étonné. J'admets, ça m'a étonné. Ok. Et apparemment, c'était ici. Et là où est la surprise, c'est qu'il reste des bouts de bâtiments. Yo. Raté. Boum. Le coup de coude. La descente du coude, chers amis. Et donc en fait là où j'avais pas tilté, c'est que comme il y a des restes de bâtiments, il y a aussi un sous-sol. Et moi je me disais, bon, il y a plus de bâtiments, c'est pas là qu'on va les trouver. Parce que je suis passé plusieurs fois quand même devant, j'ai déjà fait la longueur. Hop. Donc là il n'y a rien. Et les voilà. Les voilà, chers amis. Les pneus slick. Nouvelle amélioration de pneus débloqués. Est-ce que, alors, voilà la question, est-ce que je vais avoir, dans la logique du jeu, nécessité d'avoir besoin de les acheter? Et j'ai besoin de les acheter selon le jeu. Et B. Ou alors je paye la pause, ça dépend. Je paye la pause, peut-être, c'est simplement ça. Hop, voici le petit truc de la décharge au passage. Hop, les. Une pièce de ferraille. C'est vraiment pour la forme. Hein. Hop, et il y a le convoi. Voilà ce qui m'intéressait avant. Aïe. Ah, mais j'arrive pas à le conduire, la voiture, là. Hop, ça y est. Cette fois-ci, on va y arriver à se le faire, ce convoi. Merde. Hop. Allez, viens. You'll be sitting quite still without wheels. Hop les, dégage. Hop les, dégage, t'es dit. Aïe. Ok. Ok. Oh, care for her. She's wounded.
Allez. Et boum. Ok. Est-ce que quelqu'un veut négocier? Est-ce que quelqu'un veut négocier? Un nounours. Un nounours. Installé à l'arrière, je veux voir le nounours. Qu'il est beau ce nounours. Elle est réparée, c'est bien. Parce qu'il nous reste un autre convoi à faire ici. Et on va pas le laisser en vie trop longtemps celui-là non plus. Hop. On y va. On va se le faire aussi. Un petit peu d'action, chers amis. Merde à la fin. Faut bien qu'on se défoule de temps en temps. Casse pas ma voiture, toi, Molly Gland. Y'a une catapulte à faire par là aussi. Ok. Ok, c'est bon. Maintenant, au nord. Allons au nord. Hop. Et trouvons ce fichu convoi. Dans quel sens il part? J'imagine dans celui-là. On verra bien. De toute façon, on va le trouver. Ils avancent à rien, les convois. Oui, je parle mal, et alors? Pas de fumée droit devant. En plus, moi, ça me permet de faire le trajet. Barry Death Dealers here. Oh, the Dinky D can send some. Oui, on n'est pas encore avec le Dinky D là, mon cher Chum Bucket. Ah, je le vois. Je le vois. Hop là. Non. Sors. Fouhou. Répare la caisse. 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 Répare la caisse, je te dis, chum. Chum, fais plus vite que ça. On y va. Allez. Hop. Ah, ils sont trop loin. Non. Non, je ne te laisserai pas t'enfuir, Moluglan. Dommage. Mange. Boum. Boum. Cassez-vous. Boum. Cassez-vous. Our prestigious ornament. Cassez-vous. Hop les. Aïe. Hé, il a fait la marche arrière, le sac. Ah non. Où est-ce qu'on l'installe? On l'installe pas tout de suite, c'est pas grave. Bla. Bon, c'est l'heure de la fuite. Boum. Max en a pris plein la gueule. Tiens, bouffe.
Dégage. Et te botter le cul, moi, monsieur. Voilà. Hop, les. Bon. Cependant, il y a un truc qui me dérange. On est à deux doigts de crever. Hop, on se TP là. Est-ce qu'on va avoir la santé ou pas? Wouh. Bah, c'était cool tout ça. On a fait beaucoup de choses en très très peu de temps et j'ai pas eu la santé, donc je vais me téléporter ailleurs. Jit, donne-moi de la santé, Jit, s'il te plaît. J'ai besoin de ça. J'en ai cruellement besoin. Dis-moi que c'est bon, Jit. Ah, merci, Jit. C'est sympa. C'est vraiment sympa. Bon. Alors, est-ce que c'est pas qu'on en chie et qu'on fait plein de choses? Eh, presque. Alors, pourquoi toi, t'es encore tout ça? Ou alors, on va se faire une course. Tiens, on va se faire une course. On a eu beaucoup d'action dans ce début d'épisode, c'était génial. Maintenant, un petit peu de vitesse. De vitesse pure. Tiens, au passage, est-ce qu'on peut se faire une nouvelle archange? Il me manque un moteur et des pneus. Ah bah cool. Bon bah c'est pas grave, on y va. C'est parti. Ça va, on va pas aller chercher Gloria tout de suite, elle est pas encore morte. Hein. Là elle doit avoir quoi? Elle doit avoir 6 ans. Ah quoique, elle s'est peut-être déjà fait violer plus d'une fois. Je sais pas. C'est complètement glauque ce dont je suis en train de parler, mais c'est pas grave. Aïe. Aïe. Ouais, choc frontal, c'est surtout moi qui l'ai bouffé le choc frontal à mon avis. Hein. Oh, des connards. Boum, dommage. Boum. Oh. Quand dans ton cœur ça fait boum. Allez. Pourquoi tu tires pas? Voilà. Tu vois quand tu veux. Aïe. Je me suis dit que j'allais passer, je l'avoue. Ouh! C'est sport ça. Ah, intéressant. Eux, ils peuvent pas rester sur le côté. Intéressant, intéressant, intéressant. Bon, allons-y. Hop. Course à la mort. Hop, je me suis garé pile comme je voulais. Merde. Oh merde. Pas exactement comme je voulais. Bon. Crow Dazzle raises a black wing. I salute your daring. Course au fût, putain, je teste ça. L'intercepteur. Ouh. Ça me donnerait presque envie de le faire. Il termine de rusher le jeu comme un porc. Ce qui pourrait arriver assez rapidement en fait, hein. Soyons honnêtes. Le jeu est vraiment bon, l'histoire m'intrigue de plus en plus, donc bon, je m'éclate. Oh, ça va être tellement rapide. Hop. Tiens, dis au revoir à tes pneus. Ok, ça c'est pute. Ça royalement pute. On recommence. Je trouve ça pute alors que moi je pète les pneus de mes adversaires. Oui, c'est normal. C'est complètement pute.
Bomb sealed tight. Hold on. Hop, mais c'est mieux que de les tuer, je pense, non? On va regarder celui-là. Hop. Non. Ok. D'accord, donc il est loin devant, c'est casse-couille. La zone est extrêmement dangereuse, il y a plein de sauts à ne pas faire. C'est casse-couille. En plus, le véhicule est moisi. J'allais le dire, en plus, c'est vrai. Et lui, il est en train de partir droit devant. Hop. Et il se débrouille bien, le chauffard. Hein. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Allez. Tu m'auras fait courir pour rien, gros sac. Oh non. Non, oh non, c'est pute. Et regardez le temps qu'elle met à se remettre. Pas de ma faute si elle roule mal cette caisse. Quand même. Bon, on n'a plus qu'à espérer y avoir le temps. Ça va être ricrac à mon avis. Si je devais être honnête, je dirais que ça va être ricrac. Vu le temps que je perds dans les virages. Quoique. Oh, ça c'est pute. Faire passer le fût sous ma roue, quoi. Enfin, sous ma voiture. C'est chose qui n'arrive pas en vrai, normalement. Hop. Allez, roule, Marcus. T'as peut-être une chance. Ah non, ça allait pas être que de la ligne droite, forcément. Non, mais non, mais non, mais... Elle est naze, cette caisse, ça me gonfle. Elle est vraiment naze, c'est incroyable. Non, honnêtement, c'est incroyable, là. Hop, les... Non! Ah, je l'ai raté! Je l'ai raté à une seconde près. Victoire, mais je l'ai raté. Ouais, à 85 dixièmes près. Non! Je vais l'avoir. Je vais avoir le jeton. On va l'avoir, c'est pas grave. J'ai dit qu'on allait l'avoir. Donc, on va l'avoir. Cette fois. Ah, j'ai plus autant de cartouches! Oh non! La musique de Batman en plus, c'est génial. Enfin, celle qui me fait penser à la musique de Batman. Hop!
Et pourtant je tourne, hein, croyez-moi. Hein. Hop. Alors franchement, je m'inquiète énormément au niveau du son. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai très très peur. Non, mais non. J'ai appuyé sur le frein. Pas sur le frein à main, sur le frein. Ce jeu qui me l'a fait à l'envers, ça me gonfle. Hop. On va la voir, n'inquiétez pas. Hop là, on l'a eu. What? Mais non! Mais c'est pas possible! Mais non, mais non, mais non, jeu de merde! Jeu de merde! Jeu de merde! Il me fout des mecs juste devant le nez! C'est pas possible! Ah! En plus, je suis hyper concentré pour le faire! C'est du gaspillage de concentration! Dégage. Ok. 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 Maintenant une course classique. Hop, les barils. Encore faut-il ne pas les louper. Hein? 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 Bon. Ça se passe plutôt bien. Mais non! En fait, le jeu a une conduite très particulière, c'est-à-dire qu'il prend pas du tout en compte quand vous accélérez ou quand vous freinez. Pas seulement, vous touchez le frein, en fait, il considère que vous n'accélérez plus du tout. Ok, génial. Génial. Et j'ai personne pour me déconcentrer. Hein. Personne à part moi-même. Mais bon, on va essayer de prendre un raccourci. Hop là. Voyez? Voyez ce que je veux dire? Je suis sûr que vous voyez ce que je veux dire. Hop. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on a comme bonne nouvelle à vous annoncer, chers amis? L'arrivée de Fallout 4 sur la chaîne très bientôt. Comme d'habitude, je vous indique que vous pouvez aussi... Oh non! Vous pouvez aussi, tout simplement... Allez sur l'appel aux armes de Star Wars Battlefront pour vouloir pour pouvoir commenter en fait et demander si Games Planet accepterait de m'offrir le jeu pour en faire des vidéos sur la chaîne et possiblement en live aussi. Les lives arriveront très bientôt, je ne sais pas trop comment je vais les faire venir, quand est-ce que je vais les faire venir. Ils sont fonctionnels maintenant, j'ai pu faire un test sur le Twitch. Donc je vais le mettre aussi dans la chaîne, le Twitch maintenant. On verra ensuite ce que ça peut donner. J'en ferai aussi normalement des lives sur YouTube directement.
D'après moi, ce que je savais à l'époque, c'était que YouTube n'était pas une véritable plateforme qui soit vraiment capable de mettre en danger Twitch. Apparemment, c'est le cas au final. Donc écoutez, bah, je serais ravi de pouvoir faire les deux pour vous. Si c'est plus facile, par exemple, pour vous d'atteindre YouTube que d'atteindre Twitch, bah écoutez, je ferai mon possible pour pouvoir vous y aider. Je devrais avoir le temps là. Te casse pas la gueule, Marcus, te casse pas la gueule. Voilà. Avec 6 bonnes secondes d'avance. Ou 7 bonnes secondes d'avance. 9,68 bonnes secondes d'avance. Non, 11,68. Putain, je vais y arriver. 11,68 bonnes secondes d'avance. Bon, bah c'est cool ça, chers amis. Du coup, on va se payer les pneus lisses. Quand même. Attendez, on peut se les acheter, on va se le faire. Ok. Montre-moi ma voiture, s'il te plaît. Ma voiture, s'il te plaît. Parfait. Oh, les beaux pneus lisses. Hop. Bon. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom, dont vous retrouvez le lien dans la bannière de la chaîne, n'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode de mon partenaire gamesplay.com qui m'a gracieusement offert le jeu, je les en remercie, ils m'ont aussi offert Fallout 4, donc je vous invite encore plus à cliquer dessus, et surtout si vous le souhaitez, si vous souhaitez voir du Battlefront sur la chaîne, allez sur la vidéo appel aux armes, d'accord il y avait un mur invisible ici, la vidéo appel aux armes de Star Wars Battlefront, et commentez donc en demandant gentiment, de manière bien écrite, à GamesPlanet s'ils veulent bien accepter de m'offrir le jeu. Voilà, donc encore une fois, tout passe par vous, chers amis, c'est vous qui avez les commandes, entre guillemets, sur la chaîne. Vous avez par exemple dans le groupe Steam un post vous incitant à comment demander les jeux que vous souhaiteriez voir sur la chaîne. Et donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas, votre avis compte. Allez les gens, donc à demain pour un nouvel épisode de Mad Max et ses deux vidéos quotidiennes supplémentaires. Salut les gens!